Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Poulain5 et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du Hunger Games Pokémon saison 16 Elemental Factions. Et aujourd'hui on va faire le jour 2 au moins et on verra s'il y a d'autres trucs à rajouter en plus. Commençons directement avec Mirajana qui stalk Angèle pensant Bubble Attack Revo, mais il réussit à s'échapper. Magicness explore l'arène, j'allais dire une grotte maintenant. Shorigno soigne les blessures de Miranui. Nawel chasse Lio. Anaïs se fabrique un trident. Non, une lance, pardon. Try to spearfish with autre. Non, elle essaye de pêcher avec un trident. J'ai un petit bug. Nathan explore l'arène également. Peut-être qu'ils vont se rencontrer avec Magicness. Azuka qui fabrique un lance-pierre. Aiden, Seraph, Tiflix et Ciel chassent les autres tribus. Pensant le joueur mystère pêche également. Galaxo reçoit du matériel médical. Ayuno qui tente de s'enfuir d'Iliana. Gaga qui pêche également. Yakub qui pense à chez lui. Cassie chasse Little. Bright poursuit Zed. La fille de tout. S'est blessé au genou en voulant s'échapper de Amande et Amalia ramasse des fleurs. Et de coupe pour cette journée. Nuit numéro 2, Diflix tente de dormir, pensant à Ciel qui affronte Lio mais épargne sa vie. Cassie qui reçoit de la bouffe. Iliana et Gaga dort en alternant. Mirenu affronte Ayuno dans un combat et épargne sa vie. Anaïs commence un feu. Amande cook, il est en train de cuisiner. Le joueur mystère s'est paumé et en attendant t'as Mirajana et Brent qui dort en alternant. Angèle qui regarde le ciel étoilé. Little qui reste silencieuse. Revo meurt de ses blessures. Nawel tente de dormir. Shaolino et Azuka dort en shiftant. Nathan se questionne sur sa santé. Seraph essaye de soigner ses blessures. Zed commence un feu mais sans succès malheureusement. Pensant à Aemeren et Magicness qui l'autorise à rentrer dans sa cabane, j'ai eu un petit bug. Galaxo et Bubble se racontent des histoires, la fille de tout tente de soigner son infection, Amalia tente de se réchauffer, et Dayakoub qui essaie de se soigner également. On va continuer avec le jour 3, hein. Là ça fait seulement à peine 2 minutes de record pour moi. On va faire le jour 3 également, et après on verra si on continue ou pas. Anis et Mirajana se divisent pour rechercher des ressources. Iliana entend Mirenui et Ayuno parler à distance, attention. Angèle se blesse au genou en s'échappant de Little. Aiden ramasse des fleurs, le joueur mystère pêche. Yakub fait peur à la fille d'Otto. Lio soigne Diflix. Bright fait peur à Azuka. Amalia chasse. Amande pêche. Magicness soigne Zed. Revo cherche du feu. D'ailleurs, j'ai totalement oublié de le dire dans le premier épisode, je viens d'y penser. Mais le taux de mortalité est à moyen. Et c'est le seul changement que j'ai fait. Donc, il y aura des events, etc. normalement. Ciel fabrique un lance-pierre. Nathan se blesse. Revo, du coup, je l'ai déjà dit. Nawel reçoit du matériel médical. Et Cassie de même. Gaga chasse. Galaxo fabrique un lance-pierre. En attendant, Bubble qui tente de dormir. Shaolino qui fabrique un trident. Et Seraph qui se camoufle dans les buissons. Là normalement on devrait y avoir quelques... Même pas Et numéro 3. Nawel s'est paumé, Angèle crie pour dormir. Ayuno lance un couteau sur la tête de Ciel et fait un headshot. Mirenui reçoit de la bouffe. Shaolino tente de chanter pour s'endormir. Aiden snaps. Ah ouais silencieusement briser la nuque de Nathan. Très violent cette fameuse cabane, j'ai envie de dire. Zed observe le ciel, pensant à la fille de tout et Bright, Lio et Jean Mystère. Entend Bright, Lio et Jean Mystère près d'un feu. Mirajana, Yakub, Iliana, Anis et Bubble dort en s'alternant. Amande demande à Tuxel de le tuer et refuse et reste en vie. Azuka pense à la maison. Cassie est incapable de faire un feu, du coup elle n'arrive pas à se réchauffer. Seraph est réveillé par ses cauchemars. Galaxo pense à la maison également. Amalia tente de dormir et Revo, Little et Gaga chantent tous ensemble parce que bah, ils ont autre chose à foutre que de dormir, j'ai l'impression. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre un commentaire si vous êtes participant, est-ce que vous pensez gagner si vous n'êtes toujours pas mort, et si vous regardez tout simplement la saison, est-ce que vous avez des théories sur qui pourrait gagner la saison. Ça peut être intéressant de le savoir. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Pokémon 5 et je veux dire enjoy.